Coucou tout le monde, bienvenue chez moi. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre et on commence le sal des quatre saisons. Alors, ce sal a été organisé par Isa de la chaîne Stitzaz. Je vous mettrai en description le nom de sa chaîne. Et nous sommes environ 24 à la faire en même temps. Et il y a différentes youtubeuses, donc vous verrez régulièrement des vidéos de cette toile sur différentes chaînes. Voilà. J'aimais beaucoup le principe de faire cette toile à plusieurs en même temps. Voilà. C'est quand même mieux que tout seul dans son coin. Donc moi, j'ai une toile que j'ai eue avec la société by Number Day en partenariat. Je les remercie parce que cette toile est vraiment superbe et magnifique produit. Donc j'ai pris la 11CT 57 par 40. Elle est très bloc. Bon, un petit peu rêche pour le moment, mais oh, ça va s'assouplir. Hein. Donc pour ce sale, nous allons faire une saison, enfin la saison hiver, on va la faire pendant l'hiver, la saison printemps pendant le printemps, l'été, été, et puis l'automne pendant l'automne. Donc c'est une toile qui va s'étaler sur l'année. Et donc aujourd'hui, on la débute. Donc elle a 23 couleurs. Donc moi, comme c'est une 11CT, les fils ont 6 brins. 11CT, on prend 3 brins. Donc moi, j'ai décidé de commencer par le renard. Donc, alors là, je vous ai pris, je suis sur mon lit, le trépied entre mes jambes. J'espère que vous n'allez pas tomber. C'était plus facile pour moi de cadrer pour faire le point de croix parce que c'est pas forcément évident quand on n'est pas équipé en matériel vidéo. Donc je sépare les fils, ils sont très longs. Alors pour l'instant, je vais pas les couper en deux. Je verrai si ça fait des nœuds, et ben je couperai en deux. Alors, n'hésitez pas à me dire en description, enfin en commentaire plutôt, si vous faites ce sale également. Attendez, je vous reprends. Alors j'ai pris l'aiguille qui était avec le kit, mais je crois que... Ah si, c'est bon. J'ai un peu de mal à mettre mon aiguille. Alors, c'est parti. On lance le sale. Les quatre saisons en ce qui me concerne. Bon, ça va. Pas trop dur à rentrer. En fait, je suis pas en très bonne position parce que je suis loin de la toile finalement. Alors moi, ma première croix, je la fais toujours en entier. Alors, je sais pas si avec ma petite lampe ça on verra mieux. C'est parti. Alors
Cette année, j'ai décidé de faire salle, des défis aussi, point de croix. Je vais faire aussi un défi diamond painting. Voilà. Et je vous mettrai tous mes commencements de toile en vidéo. Et je vous montrerai les avancées. Alors, j'ai prévu de faire quand même différentes toiles. Alors, j'espère que j'arriverai à en finir au moins une dans l'année, parce que à en faire plein en même temps, ça va être peut-être compliqué. Bon, cette toile-là, elle sera faite dans l'année, ça c'est sûr. Puis ça va être facile à faire. C'est une partielle, hein. Tout ce qui est blanc n'est pas à faire. C'est la première fois que j'ai une partielle. Ah, ça fait bien, hein. Ça glisse bien. Hein. Non, ça va être bien. Alors, c'est pas du tout mon style de toile habituel. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui se dégageait de cette toile et qui m'a beaucoup plu. Et je me suis dit que j'allais la faire avec des filles, voilà, pendant ce salle. Alors, c'est pas facile. Je peux pas vous mettre plus près, hein. Sinon, je verrai plus rien. Donc, dites-moi si vous avez cette toile, même si vous faites pas le sale. Parce que je sais qu'il y en a qui la font de leur côté. Ça coince. Moi, j'ai décidé de commencer par le renard. Parce que va falloir faire que la moitié du renard. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien finir mes fils. C'est pour ça que je fais jamais de défis ou de salles où il y a des cases. Parce que j'arrive pas. J'arrive pas. Donc là, je vais me faire violence. Il faudrait que j'arrête mon fil en plein milieu. Mais bon, je sais que je suis pas la seule. Donc je me suis dit que j'allais commencer par le renard, comme ça après on n'en parle plus. À chaque fois ça coince ici. Le fil est trop long, je vais peut-être devoir couper en deux. Là, la toile est rêche quand même. Mais ouais, le fil, il est bien. Ouais, c'est toujours un plaisir de commencer une nouvelle toile. Depuis le temps qu'on attendait de la commencer. Ce petit bruit de fil là quand il glisse, j'adore. Bon, j'espère que vous êtes toutes prêtes pour vos réveillons. Perso, je vais finir mes cadeaux demain. J'ai rien acheté à mes soeurs encore.
Y en a une, je sais quoi prendre, mais l'autre, aucune idée. En plus, quand on lui demande, c'est j'ai rien besoin, c'est débrouille-toi, quoi. Aïe, aïe, aïe. En plus, ça fait pas de loisirs créatifs, alors. Ça complique. Oh, désolé, je tape dans le trépied. Franchement, je ne sais pas du tout comment filmer. Je ne sais pas du tout comment filmer. On filme sans mêle. Ouais. Alors moi j'utilise pas de trépied ou de cerclage. Par contre, j'ai une toile qui fait 1 mètre là que je vais commencer pour un défi aussi. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre pour l'enrouler. De toute façon, je vous ferai une vidéo des projets 2023 que j'ai terminés au point de croix et les projets que je vais faire en 2024, moins ceux que j'ai programmés pour le moment, hein, parce qu'il y en a sûrement qui vont s'ajouter tout au long de l'année. Il y a tellement de défis que je verrai au fur et à mesure selon les toiles que j'ai et selon les avancements de mes toiles, parce que si j'arrive pas à avancer, c'est pas la peine d'en commencer d'autres. Enfin, c'est un choix personnel. Être tout le temps sur les sites des nouveautés, du coup on craque et. Et ça devient un petit peu compliqué. Oups, un drôle de bruit là. Ouais, c'est une toile qui va être sympa. Il y a des couleurs. Trop belle. C'est original. Alors, c'est sûr que quand on a des tambours ou des Q-snaps et tout, c'est des choses que j'ai pas de Q-snaps. Les points sont peut-être plus réguliers parce que
Voilà, la toile est tendue. Mais j'ai quand même une préférence pour faire main libre. Je sais pas la limite, c'est ici. Je pense qu'après le renard, je vais commencer les points bleus là et les roses. Comme ça, je saurai bien où il faut que je m'arrête pour l'hiver. Ça me fera la boue. Parce que là, je sais pas trop. Faut que je regarde. J'ai calculé à peu près comment c'est au 152e point. Ça va être de la toile tranquillou-bilou, hein. Et la toile, je me prends pas la tête. C'est parfait pour un sale. Pas se mettre du stress avec des défis, des sales, alors que c'est Noël. Je me dis, même si je m'inscris dans plein de défis, alors les autres défis, c'est en libre. Alors, il n'y aura pas de cases imposées, de temps imposé, quoi que ce soit. Mais parce que moi j'ai pas envie de me stresser avec j'ai pas fait, j'ai pas fait, j'ai pas fait. Ben, si de toute façon, si j'ai pas fait, ben, j'ai pas fait. Pas grave, hein. Il y a toujours des imprévus dans la vie, on sait pas ce qui va arriver. Et donc, alors on va à nos rythmes. Et on verra bien où on en est. De toute façon, il n'y a rien à gagner. Et même s'il y a des trucs à gagner, c'est pas grave. Moi, je fais comme je le sens. De faire les salles et les défis, ça va être sympa quand même. On verra les avancées régulières de tout le monde. Différentes toiles. Bon, pas pour celle-ci, parce que tout le monde fait la même, mais pour d'autres défis, voir l'avancée de plein de toiles différentes, ça va être cool. Ça va être trop cool. Puis de partager. On peut pas faire les toiles dans notre coin. Non, c'est cool. Alors, je sais pas si vous voyez grand-chose, parce qu'à chaque fois, je baisse ma toile. Pas facile, hein. Donc, pour ce début de salle, je vais vous laisser. Je vais continuer un petit peu. De toute façon, je vous montrerai des avancées dans des vidéos.
Et donc, je remercie Stitzas d'avoir organisé ce salon. Je remercie la boutique Penbenham Burdet pour m'avoir offert cette toile. Je vous dis à tous, toutes, bonne petite croix, bon défi, bon sale et surtout des bonnes fêtes. Voilà, amusez-vous bien, profitez bien de vos familles et je vous dis, Kenavo!